sommes à Grenoble, à la Maison de la Culture, où se trouvent réunis derrière nous, enfin, il y a peu de musiciens, mais ils sont en pause, la Chambre Philharmonique, l'orchestre d'Emmanuel Krivine, qui enregistre la 9e symphonie de Dvorak, c'est-à-dire la symphonie du Nouveau Monde. Après une heure et un quart, là, on souffle, on décompresse, on pense. Dans les disques, c'est extrêmement fatigant parce que c'est du concentré, de concentré, de concentré, de concentré. Donc, comme on reprend chaque fois, évidemment, cette chose aussi concentrée, ça fatigue tout le monde beaucoup plus que n'importe quel concert. Finalement, c'est plus difficile qu'un concert, en quelque sorte. Oui, oui. Où il y a une énergie qu'on donne. Oui, parce que c'est un peu frustrant, parce que donner, on peut, par exemple, quand on a, à chaque fois que vous avez une belle prise où vous êtes ravi, quand tout le monde respire, on se dit « Ah, là, on vient d'en faire une belle », quelqu'un te dit « Là, c'était pas tout à fait ensemble, c'est une autre monde, autre monde ». Le disque, ça, c'est la meilleure façon de travailler pour un orchestre. Un orchestre qui ferait des disques tous les jours, il progresserait, au lieu d'en 10 ans, il progresserait en 3 semaines. Mais il n'aurait peut-être pas cette espèce de folie qu'on a lorsqu'on fait de la musique vivante. Oui, hein. Oui, mais c'est fou ce que le disque fait progresser, parce que vous êtes obligé, tout le monde est obligé de se concentrer sur chaque note, sur chaque attaque, sur tu, du, te, le, to, do, précision, machin, phrasé, mélange, timbre, intonation, tout. N'importe quel orchestre de bas état, je veux dire le catégorie au-delà de l'alphabet, c'est-à-dire A', après avoir parcouru toute la liste de l'alphabet, il passe en catégorie A en 3 semaines.